le hall a une capacité de 7000-8000 personnes, mais un deuxième hall a été aménagé au cas où. C'est vrai qu'on attend beaucoup de monde et il y a beaucoup de cars qui sont censés arriver. Parce que c'est vrai que Ségolène a beaucoup de soutien en Bretagne. De la salle, de se rendre compte comment les infrastructures sont mises, comment les affiches sont posées au mur pour se rendre compte que c'est vraiment une démarche militante, que tout le monde a sa place dans les meetings de Ségolène Royal, que c'est pas des grosses infrastructures de 80 000 personnes, même si le chiffre a été contesté, mais que c'est chaque militant qui a sa place, qui a sa voix, son mot à dire, et c'est ce qu'on voit aussi sur les écrans, les gens qui passent, c'est les gens qu'on a vus tout au long de la démarche participative de Ségolène Royal, et je pense que c'est ce qui fait toute la différence. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus généreux, beaucoup plus sincère. Ça fait un an qu'on s'est battu à Rennes contre le CPE. Là, c'est pour tous les jeunes socialistes, c'est en tête. Et on porte Ségolène comme l'alternative à ce que nous proposait justement la droite. C'est un gros rassemblement, c'est un des premiers rassemblements régionaux. Et c'est très important après ce qu'on a vu le 11 à Villepinte, qui était le lancement de la campagne. Aujourd'hui, la campagne est lancée, c'est important de se rassembler. Ségolène Royal va se rendre dans toutes les régions. Merci, c'est vrai que c'est un exercice très différent. Mais je suis là surtout parce que ces derniers temps, j'ai entendu dire qu'il y avait dans ce pays des gens qui avaient des problèmes de latéralité, ils confondaient la gauche et la droite. Donc je viens voir à chaque fois de près. Alors c'est vrai qu'ils le disent plus mollement depuis le discours de Villepinte. Ils le murmurent sûrement plus bas encore depuis la prestation de Ségolène hier soir. Mais il faut qu'on leur rappelle, on leur rappelle vraiment avec beaucoup de fierté à quel point l'histoire de la gauche française est une belle histoire. Au point d'ailleurs qu'un candidat de droite qui échoue à séduire pour parvenir à convaincre dans son propre camp et au-delà, vient détrousser la gauche de ses valeurs, de ses auteurs, de ses hommes d'État et même parfois de ses projets qu'il travestit ou qu'il défigure. Alors nous restons le camp du progrès et Ségolène Royal réhabilite la volonté en politique. C'est pour ça que nous refusons l'impuissance, la résignation ou la soumission. Et elle apporte des réponses modernes aux défis de nos temps, en toute fidélité aux engagements de la gauche contre les injustices, contre les discriminations, contre les inégalités, contre les exclusions de toutes sortes. Alors moi je lui dis simplement, jour après jour, tiens bon là-bas, Ségolène. Il paraît que tu déranges, qu'à cela ne tienne. René Char disait que celui, et je traduis celle, qui vient au monde sans rien troubler, ne mérite ni égard, ni patience. Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver si nombreux, foule amicale, rassemblement joyeux qui autorise tous les espoirs. Nous sommes presque jour pour jour à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Ce premier tour décidera grandement de l'issue du scrutin. Et je n'oublie pas le 21 avril 2002. Rien n'est jamais fait. Et je voudrais dire ici les ravages que peuvent produire la dispersion des candidatures et l'effacement des enjeux ou l'oubli des clivages essentiels. Car le premier tour détermine toujours la dynamique de victoire. Et c'est pourquoi, si l'on veut faire gagner la gauche, permettre le changement, ouvrir l'espérance, il faut être au rendez-vous dès le 22 avril prochain. Oui, nous sommes à 2 mois de cette échéance. Et j'en vois déjà certains qui s'auto-célèbrent, qui se congratulent, qui se désignent avant l'heure. Comme si les Français s'étaient déjà prononcés. Comme si l'élection se jouait sur la base de quelques pronostics. Laissons-les croire.
Laissons-les à leur arrogance et avançons sereinement sur notre chemin. Il est le bon. Moi, j'ai confiance dans notre mouvement. Votre présence nombreuse en est le signe. J'ai confiance dans la lucidité des Français, sur le bilan des uns comme sur celui des autres. Et ceux qui ont été responsables de l'échec d'aujourd'hui ne peuvent pas être les mieux placés pour permettre le succès de la France demain. Quel terrible paradoxe où celui qui prétend rompre avec une équipe disqualifiée s'accroche jusqu'au bout à un gouvernement pour bénéficier encore pour quelques jours des moyens considérables que lui donne son ministère. Les Français vont avoir le choix dans 2 mois entre la continuité qui a son candidat et le changement profond qui consiste à mettre de la justice pour donner de la force, un changement dans les institutions pour mettre des contre-pouvoirs afin de donner de la responsabilité au peuple français, un changement dans la méthode, mettre de la démocratie pour donner la confiance et un changement sur la morale politique et sur l'exigence d'efficacité. Voilà pourquoi la clarté exige la confrontation des projets. J'y suis prête. J'ai présenté le pacte présidentiel, c'est ma vision de la France. Mes engagements, une 100aine de propositions autour de 7 piliers qui répondent au double défi de l'urgence et de la préparation de l'avenir. Et vous êtes venus, très nombreux, pour m'aider à construire ce pacte. Je vais vous faire une confidence. On m'interroge sur mon équipe de campagne. Je vais vous dire un secret. Mon équipe de campagne, c'est vous. Le voulez-vous ? J'ai besoin de vous. Vous êtes mes porte-paroles. Je vois votre affection, votre énergie, votre engagement. J'ai compris aussi vos doutes, vos inquiétudes. À chaque fois, on me dit, mais demain, elle joue à qui tu doubles ? Eh bien, à chaque fois, je double. Et c'est avec vous que je vais doubler. À chaque étape, on me dit de faire mes preuves. À chaque mot prononcé, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais j'en ai autant que de l'expérience et des exigences. Et je suis plus forte que, parce que c'est avec vous que j'avance. Cette France neuve qui se relève grâce à votre voix, je la veux avec vous. Cette victoire, nous la voulons et nous devons la mériter. Nous devons y travailler. Vive la République, vive la France, que nous allons relever. Note quand même bien que Sarkozy n'a pas de projet, parce que c'est pas tout de parler, mais moi j'ai cherché le projet de Nicolas Sarkozy. Et j'invite tout le monde à le chercher, parce que c'est pas tout de parler, de dire qu'il a un projet, il a un projet. C'est hallucinant, on tape tellement sur Ségolène qu'on passe à côté de la réalité. Nicolas Sarkozy n'a pas de projet. Je dis, ça semble caricatural comme je le dis, mais j'invite à tout le monde de chercher le projet de Nicolas Sarkozy. Vous allez voir que ça n'existe nulle part.